Française, Français, j'ai décidé de prendre la parole. Prendre la parole pour parler sans fiche, parler les yeux dans les yeux. En effet, comme vous le savez, la France va mal. Alors bien sûr, après le complot qui a eu lieu à mon encontre, où je me suis fait violé par une femme de chambre, je m'étais retiré de la vie politique. Mais sous la pression de mes amis, et vu l'état de la France actuelle, j'ai décidé, eh bien, de me présenter à l'élection présidentielle de 2017. Pour deux raisons. Tout d'abord, on le voit ce que devient la France. Je suis inquiet. Deuxième raison, comme vous le savez, j'ai des addictions, des envies. Alors bien sûr, les femmes aiment les hommes de pouvoir. Et j'ai repéré ces temps-ci une jeune journaliste qui fait la tranche midi 14h sur BFM TV. Et je pense que si je suis président, ce sera assez facile pour l'attraper. Je voulais aussi vous parler des dérives, les dérives d'Internet. Remarquez certains rafous qui se permettent de se foutre de ma gueule sur YouTube. Je sais que les comiques ont peut-être le devoir de caricaturer les hommes publics. Mais ce n'est plus de l'humour quand ça devient de la méchanceté. Alors certes, un comique de talent, un écrivain qui, d'ailleurs, sa chaîne sur YouTube, vous pouvez regarder les liens sur sa chaîne. Comme vous le savez, j'ai toujours quelques affaires en cours avec cette affaire du Carlton, avec des délabres au mur. Évidemment, je n'y suis absolument pour rien. Je sais que vous avez confiance. Vous avez confiance en moi, en mon expérience économique. Et je reviendrai. C'est pour cela que je suis tout à vous. Surtout les dames. Mesdames. Vive la France. Vive la République.